Tout le monde s'est plaint de ça, on est contre World Portail, donc je suis en live actuellement. J'ai coupé la musique histoire de filmer la vidéo. Donc World, toujours le meilleur héliotrope. Et je filme le combat étant donné que j'ai fait un combat contre lui la dernière fois, dans lequel il n'avait pas son mode de son mode. Donc c'était pas trop équilibré comme combat. On va se mettre là juste pour fermer. Ah putain, on peut prendre le portail maintenant, je savais pas qu'on pouvait. Ok. On met un poison tranquille. On met un arbre, voilà. Donc là, c'est mal joué de ma part. Je pensais pas qu'on pouvait rentrer dans le portail T1 de l'héliotrope en fait. Je pensais qu'on pouvait rentrer dans le. Oui, mais moi je suis T2. Mais je pensais que dans l'hélio, en fait, vu que c'était son T1 à lui, je pouvais pas rentrer dans le portail. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, enfin bref. Donc c'est une erreur à la con. Ouais. Donc on Ward, ça va être compliqué, les gars. J'ai un mode avec des résis assez de loin. Ça se dit pas d'ailleurs. C'est un combat qui va jouer à l'érosion. Regardez les redistricts qu'il trouve. Donc il est feu. Il met des grosses patates de foin. J'ai des belles res pourtant. J'ai des belles res mais je prends super cher. Je vous présente Ward. Alors là, il y a deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit je mets un Groot pour me soigner. Soit je mets une folle. Donc j'ai préféré mettre une folle. C'est un choix. J'estime que je le tacle un peu. Ça peut être chiant pour lui de se détacler. La folle, hop, elle va lui cliquer un PA, c'est pas ouf. Et il y a juste un totem, Flamish. Il atterrirait là, il pourra vurir s'il niquait la folle en même temps que moi. Il est en train de m'encastrer là, je sais pas quoi en faire là. Je t'avoue que je suis pas serein, les gars. Ouais, il va être sur moi, il va jouer pareil, il va mettre le portail, il se complique pas la vie en fait. Il a raison. Parfois, faut jouer simple. Est-ce que quand il conjure, ça me débuffe le Phalanstar? Non, ça débuffe pas. Donc je prends des grosses patates, hein. C'est réellement... Ouais. Il est réellement en train de me soulever là, à l'heure où je te parle. On va se reculer. Est-ce que si on se débuffe le virus, ça me le débuffe ou pas? C'est une question con peut-être, mais... Que ça se tente. Ça se débuffe le virus ou pas? Il y en a un dans le chat qui a dit oui. Et ça se débuffe, merci à toi. Du coup, ça m'évite de prendre des free dégâts. On n'est pas bien là, je t'avoue qu'on n'est pas bien. Mais on prépare le tour d'après avec une gonflable qui arrive. On va essayer de la mettre en retrait. Il a perdu 3 PA, 4600 vita max. Moi, il m'a déjà viré 500 vita max. Ah, il tape hyper fort. Hein. Donc là, il va pouvoir me taper, vous pensez ce tour-ci? S'il met un portail là, il va pouvoir, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Il va sans doute péter la sacrifier. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense, pour lui. Non, il maintient une pression en fait. Hein. Il maintient une pression et c'est vraiment de la bonne pression. C'est de la bonne, mon frère. Moi, je vais reculer là-bas. Je joue défensif dans un premier temps pour essayer ensuite de pouvoir jouer offensif. Donc je sais qu'il va tuer cache ma gonflable. J'ai une sacrifiée qui est en place. Il y a la bloqueuse qui va le tacler un petit peu. La folle qui va pouvoir lui cliquer des PA. Donc on est bien. Il y a deux PA taclés par la folle. Il doit caler une libé. Je sais pas s'il y a plus boost en PA autour d'avant. Je rappelle qu'il a un vulbis, donc le fait de pas le taper. Ça lui proc de 10% les dommages. Enfin, les dommages, pardon. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il met quasiment la totalité de son tour à réfléchir. Et une fois qu'il a le tour, bim, il fait. C'est ça qui est impressionnant avec les bons hélios. Donc là, il bug. S'il bug, ça serait dommage. Bon, là, de toute façon, il pouvait pas faire grand-chose concrètement ce tour-ci. À part me mettre les bennes, si ça aurait changé quelque chose qu'il ne fasse pas, en tout cas. Donc, non, c'est bien fait. On va profiter. On va jouer un peu agressif. Je sais pas si c'est ouf, les gars, ce que je fais là. J'y vais en tâtonnant, comme on dit. Ça passe pas du tout. On va faire un fléau. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que je crois qu'il joue avec l'Odyssée. Donc là, si je me mets là, j'estime qu'il peut pas se barrer.
Et si je joue avec la variante de DC, ben, je suis un connard. Voilà. On va voir ça ensemble. Ça, c'est un truc à vérifier dès qu'il fait. Alors, il fait l'avarie, donc là, j'ai été con. C'est moi qui lui donne l'exode, la free exode. Erf. Donc, j'aurais pas dû mettre l'arbre là. Donc, ça, c'est un, tu vois, c'est une erreur que tu fais quand t'es pas concentré. Et c'est une erreur qui te coûte la win généralement. Regardez la Rodi qu'il trouve. Bon, GG à lui. Il me termine, je pense. Quoique. Je peux me redébuff. Je peux me redébuff ici. Bon, je vais me débuff. Très bien. Mais je suis un connard! Non! Non, 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 ça c'est pas bien ça. Oh, je dois me débuff en fin de tour. Oh, bah là, mais pire joueur de l'histoire, les gars. J'ai une végétale sur qui? Oh là 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 là, mais quel connard! Oh. Donc là, le tour que je voulais faire, c'est aller là. Le double. Enfin, là même, le double fléau. Oh. Là, je devais aller là, le double fléau. Comme ça aurait tapé la sacrifiée, enfin le totem aussi. J'aurais eu masse régène et je terminais par une Groot ici avec une debuff. Je faisais double fléau, debuff Groot, c'était parfait, j'étais pas mort. Voilà, je me cherche la défaite, les mecs. Hein. Concrètement, là, c'est facile pour lui de me retaper. Il y a juste à sortir du portail, même aller là, hein. Me remettre un portail en haut, il me termine. Là, c'est bien fait. C'est bien fait de ma part de perdre ce combat. Regardez la Rodi qu'il trouve le mec. Apparemment c'est pas fini. MDR. Là je peux rien faire. Hein. Concrètement. J'ai rien pour me régène. C'est la débandade comme on dit. Dans le milieu. On va portail ici. Puis on va crever en silence. Hein. J'ai Donut à la place d'altruisme, mais quel débile! Quand y'a rien qui va, y'a rien qui va, les gars. Va taper un coup. J'aurais dû taper un coup avant pour lui virer le vulbis au cas où. Bon, c'est un... Oh! Mais c'est le pire combat de ma vie, gros. C'est le pire combat de ma vie. Mais vraiment. Je lui enlève pas le vulbis. Je... Ouais, c'est free win pour lui. Là, je dois jamais. Enfin, si, perdre, si, peut-être. Mais là, le combat il aurait été différent dans le sens où j'aurais pu lui remettre une pression, lui virer le vulbis comme il faut, avoir plein de soins. Regardez les Rodis, elles sont magiques, hein. Voilà. Il me dit GG, mais non, il aurait GG à lui plutôt. Moi, c'était de la merde ce combat. Allez, ciao tout le monde, c'est Fanta.